et leadership de la femme, avec comme titre, vous l'avez vu tout à l'heure, au passage de notre générique, participation des femmes au processus électoral. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Et vous comprendrez, en suivant l'émission, que je suis entouré de trois femmes et que nous sommes seulement deux sur ce plateau. Voilà pour le décor. Je présente mes invités en commençant par celle que vous connaissez, Madame Léonie Candolo. Bonsoir et bonjour. Bonjour et bonsoir, Monsieur Kibambi. Vous nous faites beaucoup d'infidélité, heureusement que vous êtes là. La deuxième que je présente, c'est Madame Annie Matondou. Bonsoir et bonjour, Madame. Bonsoir et bonjour, Monsieur Kibambi. Et Madame Faïda Mwangiloa, bonsoir et bonjour. Vous nous avez porté bonheur puisque vous étiez parmi les premières invitées alors que nous étions une toute petite télévision. Ce qui justifie ma joie d'être là. Merci beaucoup, M. Kibambi. Vous voulez que je vous appelle Excellence parce que... Pas du tout. Appelez-moi par mon nom, Faïda Mwangiloa. D'accord. Et il y a un homme, honorable Alain Makana Manzenza. Bonsoir et bonjour. Oh, bonsoir et bonjour. Vous voulez que je vous appelle honorable ou que je vous appelle maître ou que je vous appelle par votre nom, tout simplement? C'est au choix, mon nom, c'est mon identité. Comme nous parlons aujourd'hui des femmes, je vais vous appeler par votre nom. Je vous en prie. Monsieur Manzenza. Exactement. Voilà. Alors, première question, je voudrais la poser à Madame Annie Matondou qui est à ma droite. Oui. Madame, en sachant que les lois ont été faites à l'origine par les hommes, est-ce que la femme que vous êtes, ou les femmes que vous êtes, pouvez devenir quelque chose, vous épanouir et arriver au sommet, par exemple à la députation, sans avoir été poussée par un homme? Je peux dire que non. Parce que vous parlez de la loi, effectivement, nous sommes tous nés égaux devant la loi. L'expression qui dit « derrière un homme se cache une femme », mais pour cette période électorale, nous disons, nous voulons aller hommes et femmes ensemble, comme je suis à côté de Maître Alain, qui est un homme. Très bien. Et la réaction de Léonie Candolo? Bon, moi, je suis toujours très sceptique quand j'entends ce genre d'assertion ou d'affirmation, puisque la femme est l'avenir de l'homme. Sans femme, il n'y a pas d'homme. Et je pense qu'aujourd'hui... Et le contraire, hein? Le contraire, croyez-moi. Vous savez, moi, j'ai un principe, c'est que la loi existe et que souvent, dans les zones où il y a le patriarcat qui est dominant, comme ici... au Congo, en grande partie, effectivement, on ne sait pas aller sans les hommes puisqu'ils sont majoritaires. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ont raison. Parce que dans nos traditions africaines, il y a des endroits où les femmes commandaient. Il y a le matriarcat chez nous en Afrique. Donc, vous savez, la civilisation, l'adaptation, c'est bien, mais je répète, la femme est l'avenir de l'homme. Madame Mwangiloa, qu'est-ce que vous vous dites à ce sujet? C'est des propos discriminatoires. On ne peut pas dire que pour qu'une femme avance en politique, il faut nécessairement... Pas du tout. C'est des propos que les gens ramassent dans la rue et au fur et à mesure qu'ils en parlent. Et voilà, d'autres croient que c'est une vérité. Pas du tout. La politique, c'est un engagement. Voilà, M. Kipano. Alors, on va écouter Maître... Qu'est-ce que vous dites? C'est une question d'appel, d'ambition. Vous savez, cette question est réglée par la loi. Nous avons l'article 14 qui parle de parité. Vous savez que, je l'ai toujours dit, nous sommes à la juxtaposition du principe de la loi qui existe et aussi de l'émanation de besoins de la population qui précède la loi. Donc, à ce niveau-là,
si la femme veut s'affirmer, l'homme ne l'en empêche pas. L'homme, c'est pas une entrave pour la femme. D'ailleurs, vous le savez, VLF, où nous sommes, c'est un espace qui défend le droit de la femme. Mais vous devez le savoir, en complémentarité avec l'homme, c'est pas de l'adversité. Très bien. Mais avouons quand même, Madame Candolo, que dans tous les pays, le nôtre aussi, la femme a connu un petit peu de retard. Parce que il y a quelques années, il y a plusieurs années, les parents estimaient que c'est d'abord le garçon qui devait aller à l'école, et puis la femme ensuite, cette discrimination, elle a existé. Et donc... Elle existe encore. Et comment vous réagissez ? Bah, écoutez, nous on fait des campagnes parce que nous on est quand même beaucoup dans la société civile et dans la communauté. On a fait comprendre aux gens que la femme et le petit garçon et la petite fille sont égaux et doivent aller à l'école tous pour se développer. Mais nous ne devons pas oublier que depuis près de 40 ans, les femmes sortent des universités. Au Congo, en Europe, aux États-Unis, en Chine, les femmes sortent des universités. Donc les femmes compétentes existent. C'est parce qu'il y a toujours cette pensée que l'homme, cette pensée coutumière, je vais presque dire, où on dit, ah non, mais les hommes d'abord, ah les garçons d'abord. Non, il n'y a pas une intelligence plus importante chez les hommes que chez les femmes, ce n'est pas vrai. Donc je pense qu'au niveau, en tout cas, de l'engagement politique, les femmes sont peut-être arrivées plus tard que les hommes, mais nous ne devons jamais oublier que nous avons eu une femme ministre avant l'Occident. En 1966, nous avions une femme ministre. Et en Europe, il n'y en avait pas. Madame Mandiloa, il vous a fallu d'abord vous battre, même en Europe, Simone Veil, pour devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Vous étiez ministre, par exemple. Il a fallu que vous vous battiez. Effectivement, le droit s'arrache. Et moi, quand je vois l'histoire de la Suisse, les femmes ont voté pour la première fois en 1922. Donc, à RDC, les femmes congolaises se sont battues, même durant le régime du fait président Mobutu. Les femmes se sont battues pour décrocher ce qu'elle devrait décrocher au niveau des instances décisionnelles. Et lorsqu'on parle de la participation politique de la femme, qui est notre sujet de discussion aujourd'hui, ce qui est vrai, qu'elle subit des discriminations, et ce que nous voudrions changer, profitant de ce moment de dépôt de candidature à la députation nationale, parce que qui ont la gestion de la chose publique au niveau des communautés aujourd'hui, c'est encore les femmes. Voilà pourquoi, en tout cas, cette lutte, elle est tout à fait justifiable. Madame Annie, pourriez-vous nous dire ce que vous avez fait comme lutte, votre participation à cette lutte pour l'émancipation de la femme, pour devenir ce que vous avez, ce que vous êtes, et vous, que vous nous direz d'ailleurs? J'ai une expérience d'une trentaine d'années dans l'activisme. Donc, j'ai fait presque une carrière. Hein. Maintenant, il faut peut-être penser à changer le fusil d'épaule. Ça vous a conduit à quoi? Ça m'a conduit à être une femme reconnue parmi les femmes leaders, parmi les femmes... À travers le monde, parce que, humblement, je peux le dire, j'ai quand même une visibilité au niveau international. C'est-à-dire? C'est-à-dire, j'ai adhéré à une organisation des femmes, qui est la toute première organisation qui parle de la paix, de la sécurité, qui a aujourd'hui 109 ans. Donc, c'est beaucoup, plus d'un siècle. Alors, j'ai pris cette vision de la paix que j'ai amenée en RDC. Ça fait plus de 16 ans. Et j'ai aidé les autres pays en Afrique, surtout là où il y a des guerres ou des conflits, à implanter cette vision. Et aujourd'hui, j'ai été présidente de cette organisation qu'on appelle la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. J'étais présidente pendant 15 ans, mais on venait de faire les élections
élective au mois de février de cette année. Aujourd'hui, je suis la représentante régionale de plus de 20 pays en Afrique que je coordonne. Très bien. Monsieur Manzenza, c'est plus facile pour moi, Manzenza. Hein? Alors, cette lutte de la femme, vous l'avez accompagnée. Elle était dure, elle est dure. J'estime qu'à ce niveau, avec ce groupe, c'est les ressentis d'une lutte qui n'a pas commencé aujourd'hui en RDC. Vous avez entendu son Excellence évoquer l'époque de Mobutu, où on parlait de l'émancipation de la femme. Nous avons eu les premières femmes qui ont assisté à la grande rencontre de Benjing à cette époque-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'associations. Ça pullule la République uniquement pour résorber le problème de la femme dans ses droits et dans son vécu. Aujourd'hui, nous militons pour que l'accès de la femme soit accru, n'est-ce pas, à tous les niveaux de décision. Et le passage obligé où il faut rechercher cette signature, ce sont les élections. J'estime que l'élégance de la loi, c'est dans sa rigueur. C'est comme ça que nous parlons de Dour Alex et d'Elex. Tout ce que nous faisons a un répondant et a une référence. Pourquoi nous le faisons? Parce que depuis lors, il est des questions qui restent sans réponse. Et la femme remonte au créneau pour le décrier. Vous voyez sa sécurité pendant les élections et la tension. Je reviendrai à vous, Madame Léonie Candolo. Mais je crois que pour vraiment que votre lutte soit, gagnée, il faudrait qu'on commence par la base, que dans les foyers, que dans les cellules familiales, déjà on commence à avoir cette égalité, qu'on se scandalise devant un monsieur qui frappe sa femme. Non, je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas du tout, mais le problème c'est le changement de mentalité. Et là j'en reviens parce qu'il y a une institution qui parle du changement de mentalité et je m'étonne que cette institution-là ne soit pas gérée par des femmes. Parce que les personnes qui éduquent, ce sont les femmes. Oui. L'école instruit, mais la femme éduque. Tant que vous n'aurez pas une volonté politique assez forte pour avoir des femmes dans les institutions, celles qui sont les éducatrices, le changement va être lent. Le changement va être lent, mais ça ne concerne pas que la RDC. Moi, ce qui m'attriste beaucoup, c'est que quand on parle du respect de la Constitution, on voit les élections, on voit l'accès à l'eau, mais on ne voit pas la parité. Or, la parité est constitutionnelle. Nous sommes le premier pays d'Afrique à avoir inscrit la parité dans notre Constitution. Or, nous sommes dépassés par le Sénégal. Notamment, je crois, oui, et surtout que dans ces pays musulmans de surcroît, nous avons eu des femmes premiers ministres. Dans un pays musulman, nous avons une femme présidente qui est musulmane et troisième épouse. Donc ça veut dire que quand la femme veut, quand la femme est accompagnée, la femme peut. Mais le problème, c'est qu'il y a les barrières, les hommes qui veulent mettre des barrières. Mais ils ne mettent pas seulement des barrières aux femmes, hein, je vais vous dire qu'ils se mettent des barrières entre eux aussi, parce que ça fait quand même près de 40 ans qu'on a les mêmes. Madame Anguiloa, une question. Il paraît que l'ennemi de la femme, c'est d'abord la femme. Vous vous jalousez entre vous. Est-ce que c'est vrai? Quand vous étiez ministre, vous étiez jalousée? Ah, bien sûr. Disons, ça on ne peut pas dire parce qu'en matière politique, même au niveau des hommes, les gens se jalousent. Mais souvent les gens pensent que mettre seulement l'accent sur la femme, parce que nous parlons de la participation politique, M. Kibambi. Sur le terrain, dans un couple, lorsqu'une femme informe à son mari que voilà, je partage avec vous mes ambitions, je voudrais me présenter aux élections, vous allez voir, il suffit que la nouvelle, hein, traverse la maison, arrive en famille, et c'est maintenant une question de belles-sœurs, de beaux kilos, qu'est-ce que vous faites, mais c'est pas normal, pourquoi vous devez laisser votre femme aller embrasser la vie politique, ces femmes-là, la vie politique ne donne pas la dignité, c'est de cela qu'il s'agit ici. Donc, est-ce qu'elle donne la dignité, vous qui êtes passé par elle là? Elle donne la dignité, ça dépend de chaque personne, parce que même au niveau des hommes, parlant de
les questions éthiques, vous ne me direz pas que les hommes ont plus d'éthique que les femmes. Donc, ça ne vaut rien dire, mais ici, nous voulons vraiment travailler au niveau de la base, au niveau des familles, des ménages, des enfants, pour encourager les candidatures féminines. Parce qu'il y a même des femmes qui nous ont dit, au-delà de leurs époux, des femmes ayant 50 ans, qui ont des enfants qui ont 23 ans, 25 ans, et les enfants qui disent à leur mère, « Maman, est-ce que toi tu peux encore faire la politique, tu es déjà âgé ?» Mais ces mêmes grands-enfants, ces adultes, quand ils ont des problèmes, ils ne peuvent pas les dire à leur père que papa, tu as 50 ans, tu ne peux plus aller te présenter aux élections. Voilà des problèmes que nous rencontrons sur le terrain et qu'il faut vraiment changer. Il faut vraiment Maître, changer. Il faut changer ça. Hein. Oui, c'est la jalousie qui fait que nous ne voulons pas, enfin, pas nous, moi je suis veuve depuis 20 années, que les hommes ne veulent pas que leurs épouses. Face à la politique. Au-delà des entraves que la femme rencontre. J'ai dit, c'est de la jalousie ou quoi? Certaines choses, il faut les relativiser. Mm-hmm. Vous savez, nous naissons, nous avons de données, et une fois sur terre, nous avons des acquis. Et depuis le jeune âge, d'une femme comme d'un homme, il y a le milieu qui influe. Mm-hmm. Est-ce ce milieu est traditionnel? Est-ce ce milieu est commun? Et tout ça, ça génère en elle ce qu'elle sera demain par rapport à ses ambitions et à ses orientations. Voyons l'avenir, oui. Pour l'avenir, nous estimons que le travail que nous abattons, c'est justement pour ça, pour que la femme sente sa liberté, sente ses capacités. Mais pourquoi vous parlez, je l'ai toujours dit, pourquoi vous parlez des femmes, vous? Mais la femme est une... Sous d'options, on risque de vous prendre pour compliqué. Hein? Vous savez, la femme est un... Vous aimez les femmes? La femme est un tout qu'on ne peut réduire en un contexte. Mmh. Il y a toujours une histoire, n'est-ce pas, qui pousse quelqu'un à un apostolat. Mmh. Nous en avons et il faut une émission pour qu'on l'éclate. D'accord. Mais comme vous le savez, déjà par le fait qu'on ait été le premier à installer une clinique juridique en RDC, au travers les réseaux Action Femmes, le RAF à l'époque, nous avons des données qui nous permettent aujourd'hui, n'est-ce pas, de nous mesurer et d'accompagner, n'est-ce pas, les combats et la lutte de cette femme, qui ne commence pas qu'aujourd'hui. Donc la femme est bien prête, contrairement à ce que les gens pourraient penser. Et d'ailleurs, lorsque nous nous retrouvons dans l'adage « derrière un homme, il y a toujours une grande dame », c'est justement pour symboliser cette complémentarité. Mais pourquoi vous vous battez, vous, laissez-les se battre? Parce que vous estimez qu'elles ne peuvent pas se battre toutes seules. Madame Annie a démontré qu'elle n'a pas besoin de vous. Ce n'est pas un combat de paperasse, c'est un combat de vie. Et cette vie doit être au quotidien. La loi existe, cette loi est générale pour tous. Et vous les accompagnez tous. Sur le plan juridique? Sur le plan juridique. Je reviens à vous. Madame Annie. Non, je voudrais corriger. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin d'hommes. Non. Nous avons besoin des hommes pour aller ensemble. Nous sommes vos partenaires. Oui, on est des partenaires, mais on doit progresser ensemble. Parce que dans un pays où on néglige plus de 53% de la population féminine, c'est un pays qui aura des problèmes pour se développer. On le voit et on le vit en RDC. Prenez l'exemple du pays nordique, où les femmes sont portées. Et ce pays se développe par rapport aux autres pays européens. Donc, nous aimerons qu'ici, en RDC, que la femme, qui représente quand même une population de 53%, ne soit pas négligée. Avançons ensemble pour développer ce pays. Mais madame, vous vous sentez encore négligée ou bien vous voudrez qu'on fasse encore un effort? Ce ne sont pas des jérémiades, parce qu'on nous dit toujours, vous vous plaignez chaque fois, on vous néglige, vous vous victimisez. Non. Ce que nous aimerons, aujourd'hui on est là pour les cas de sécurisation des dossiers de femmes. Nous avons vu pendant le processus électoral au niveau de la députation nationale, quand on a publié les résultats, nous avons suivi, les dossiers des femmes ont été négligés. Les partis politiques, les regroupements n'ont pas veillé à ce que les femmes qu'ils ont alignées
que leur dossier soit en bonne et due forme. Il y a des femmes qui se sont présentées dans des différents partis politiques, or la loi l'interdit, et ces dossiers ont été écartés. Il y a les mandataires qui n'ont pas réellement suivi les dossiers des femmes pour voir à l'intérieur de ce que la CENI a demandé, est-ce que tous les éléments étaient là. Et comme il n'y avait pas le suivi, ces dossiers ont été écartés. Vous avez complètement raison. Madame Léonie, mais je ne parle pas pour les hommes, mais les femmes ne se sont peut-être pas présentées nombreuses pour... ne se sont pas précipitées pour aller remplir les formulaires, peut-être, non? Bon, je crois qu'il y a l'impréparation... Il y a une petite faiblesse, quand même. Moi, je crois que je donne beaucoup la responsabilité aux chefs des partis politiques. Parce que quand vous dirigez un parti politique, vous devez former vos membres. C'est ce qu'on entend en Occident, les universités d'été, où on va former les gens, où on forme à la loi. Est-ce que dans les partis politiques, on s'est assis avec les membres, avec les femmes, pour expliquer la loi électorale? Mais au-delà de ça, on dit qu'il y a beaucoup de dossiers de femmes qui sont tombés, mais il y a plus de 2000 dossiers d'hommes qui sont tombés également. Donc, vraiment, la responsabilité, pour moi, elle vient des partis politiques. Où je ne suis pas d'accord, par exemple, c'est quand le mandataire se rend compte que le dossier d'une femme n'est pas complet, au lieu de l'appeler, non, il prend le dossier d'un autre homme, il met à la place. Ça, ce n'est pas correct. Parce que les femmes sont actives dans les partis politiques. On les fait travailler énormément quand il s'agit de propagande, quand il s'agit de vulgariser ce qu'est le parti, etc. Mais quand il s'agit de les récompenser ou de les assister, ils ne sont pas là. Or, le travail d'un parti politique dont l'objectif est de prendre le pouvoir, c'est d'avoir des gens formés. Vous savez, nous, on vient de la société civile, toutes comme nous sommes ici. La société civile capacite ces gens de façon extraordinaire. Vous trouvez des gens spécialistes dans toutes les thématiques. Très bien. Mais les partis politiques devraient appeler tous ces consultants à venir former les gens chez eux. D'accord. Madame Wendiloa, vous ajoutez quoi? Oui, je vais ajouter quelque chose. Bon, voilà. Lorsqu'on a fait la publication de candidatures par la CENI, c'était le jeudi passé, nous avons constaté qu'il y a beaucoup de partis politiques et partis et regroupements qui n'avaient pas atteint les seuils. Moi, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Nous avons l'article 13, parce que des fois, il y a plusieurs raisons. Peut-être qu'ils n'ont pas eu assez de moyens pour payer la caution et tout. Mais l'article 13 de la loi électorale mentionne bien que si vous atteignez, si votre liste électorale a aligné 50% d'hommes, 50% de femmes, vous ne payez pas. Mon Dieu, pourquoi ne pas profiter de cela que de voir toute la liste où le parti est rejeté? Donc moi je crois qu'il y a des choses à faire. Il y a des opportunités qui sont devant nous et même d'autres qui avaient des moyens. Vous avez des moyens, mais protégez ces moyens pour soutenir la campagne électorale de vos membres. Il y avait aussi cette possibilité. Nous sommes en train de voir quels sont ces partis politiques qui ont profité de cette opportunité qu'offre la loi électorale à son article 13 et devoir faire cette promotion. Et c'est ici le temps parce qu'il y a les élections locales et municipales. Donc il faut absolument que les chefs des partis et regroupements politiques puissent en profiter. 50-50, vous 50-50, surtout que c'est sur terrain, au niveau de la base, que les femmes sont très actives avec leur mouvement associatif. Ce sont ces femmes qui maintiennent nos communautés. Si vous voyez beaucoup d'élèves aller à l'école aujourd'hui, c'est grâce aux efforts de ces femmes. Aller sur la route, Matadi, aller voir des femmes dans quelles conditions elles se démènent pour trouver, pour la survie de leur ménage. Oui. Alors, pourquoi ne pas leur donner la gouvernance locale? Voilà aussi l'objet de cette émission Voix et Leadership de la femme. Cette émission qui est appuyée techniquement par les Affaires Mondiales Canada, techniquement par le Centre Cartel, mais avec l'appui financier des Affaires Mondiales Canada. Alors, maître, le débat est là. Ne travertissons pas la réalité. Il faut constater l'impréparation dans nos partis politiques. Il est de ces partis qui n'ont de candidats que la veille.
de l'introduction des listes. Parce que la CENI a ouvert, il faut placer les gens. Et de tels partis, quand est-ce qu'elles vont former de femmes pour qu'elles en fassent de leaders demain? Je voudrais que vous puissiez, vous, hommes, donner aussi quelques conseils aux femmes pour qu'elles se précipitent aussi. Oui, je vous le dis. Vous êtes un homme. Je le dis. Vous avez travaillé avec eux, avec elles. Maintenant, qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Quand même, vous êtes un homme et soyez au milieu du village. Au milieu du village, c'est la loi. Nous bénéficions tous de même loi. Mm-hmm. Et ces lois ne sont pas discriminatoires. Mm-hmm. Sauf que dans leur application, nous sentons de faiblesse, mm-hmm. compte tenu de la nature de la femme. Mm-hmm. Imaginez si un jour la CENI pouvait organiser une queue au scrutin, d'un côté les hommes et de l'autre de femmes. Il n'y aura pas de bousculade. Ça fait partie de la sécurité que nous voulons de la femme. Aujourd'hui, par exemple, qui a amené sur le plateau et au grand jour ce que nous appelons masculinité positive? C'est un homme et c'est notre chef d'État. Tout le monde le sait. Donc, dans cette lutte, demander à un homme de conseiller une femme, alors que nous avons le même droit, et dans ce même droit... Mais oui, c'est votre travail, non? Bien entendu, mais le travail doit être listé dans cette, dans les données qui sont d'ensemble. D'accord. Qu'est-ce que nous remarquons? Madame m'a donné un exemple. Il y a des dossiers qui rentrent, et lorsqu'il s'agit d'une femme, au lieu de remplacer une femme par une femme, on remplace une femme par un homme. Parce qu'un homme, parce que l'homme est là. Lorsqu'il n'y a pas, je dirais, respectance, je pense que nous pouvons revenir dans l'adage qui n'est dit mot qu'on sent. Justement, c'est ce que la femme ne voudrait pas consentir. Elle dit le problème qui sont le sien et elle voit par rapport à la loi quel est le ménage qui peut bien être fait. Donc voilà, c'est seulement à cette dimension-là que nous participons pour appuyer ces combats. Je voudrais que la réalisation nous dise combien de minutes il nous reste. Madame, quels sont les conseils que vous pouvez donner à la femme? À la femme. À la femme aussi. Parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Le conseil que je peux donner aux femmes, hein, dans toute leur diversité, c'est de pouvoir suivre, de pouvoir s'informer. Parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est par manque d'information. Mais le grand problème, je crois, vient des partis politiques et des regroupements. Parce que peu de partis politiques ont une stratégie de recrutement des membres. Je ne sais pas si ça existe dans des partis politiques. On venait de le dire, les partis politiques et les regroupements se sont précipités pour prendre des femmes et pour les mettre. Il n'y a pas eu un problème de profil. Parce que pourquoi on a des problèmes au niveau du Parlement? Parce qu'au niveau des candidatures, les partis politiques n'arrivent pas à voir le profil de leurs candidats, que ce soit homme ou femme. On remplit les listes parce qu'il faut atteindre l'essai, il faut avoir plus de, dans les cas présents, plus de 300, donc il fallait chercher. Et ils n'ont pas cette stratégie pour combler le vide ou suivre la loi, l'article 13, oui, c'est l'innovation. Parce qu'on a placé des candidats, hommes ou femmes, vaille que vaille, sans profil. Alors il fallait calculer. Voilà. Alors vous dites quoi? C'est véritablement un problème. Hein. Moi je constate, hein, ce n'est qu'un constat, hein, donnez-moi tort, je constate que les femmes n'accourent pas, ne vont pas. Parce que je ne peux pas comprendre que là où un homme n'a pas rempli les conditions, qu'on mette un autre. Là où une femme n'a pas rempli les conditions, qu'on mette un homme, c'est pas possible. Parce que peut-être il n'y a pas de femme.
Bon, qu'il n'y ait pas de... Donnez-vous tort de temps en temps aussi. Pour non, non, non. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes. Moi, je dirais qu'il y a souvent un problème d'impréparation. Moi, je me dis toujours que quand tu as envie d'être candidate, c'est quand l'ancienne élection termine que moi, je vais me préparer pendant les 5 ans pour préparer ma candidature. Parce que tu as un travail à la base, tu as un travail intellectuel, tu as un travail de stratégie à mettre en place et un travail de savoir comment tu vas récolter les fonds. Parce qu'une campagne électorale en RDC, c'est très cher. Alors, moi, je crois qu'il y a impréparation. Et comme a dit Madame Annie avant moi, les partis politiques n'ont pas de stratégie. C'est quand il va avoir les élections, il commence à téléphoner. Est-ce qu'on ne peut pas te mettre sur la liste parce qu'on a besoin de femmes, on a besoin... Non, c'est pas comme ça que ça se fait. Les gens, on les recrute. Dans les pays, en tout cas occidentaux, on recrute les gens dans les partis. Et les hommes, et les femmes, et les jeunes. Donc, tant que nos politiciens n'ont pas cette vision-là de la politique, nos parlements auront toujours beaucoup de carences. Parce qu'en fin de compte, ce qui fait qu'on vous aligne, c'est quoi? C'est vos moyens financiers. Or, les moyens financiers ne disent pas toujours que vous avez la capacité au débat législatif. Mais là, Mme Mondilo a dit quelque chose d'extraordinaire. L'article 13, ça vous évite de payer. Et donc, profitez-en, non? Frappez dessus, madame. Effectivement, il faut aller là-bas. Mais il y a une réalité, tout le monde voudrait aller en politique. C'est ça aussi. Tout le monde voudrait aller en politique au lieu de dire comment nous pouvons faire en sorte que la politique apporte des solutions aux problèmes de la communauté. Si on pensait ainsi, on alignerait beaucoup de les femmes. Répondez-nous à cette question. Comment il faut faire? Comment il faut faire? Il faut y travailler. Il faut encourager parce qu'il y a une urgence. Et c'est de cela qu'on parle. Il y a une urgence en termes d'alignement des femmes sur les listes électorales parce que ça sera la première fois d'organiser les élections locales et municipales dans notre pays. Il est question franchement de regarder avec aussi objectivité et dire alignons les femmes. Mais si vous prenez les partis politiques comme une affaire de business, je dois mettre mon épouse, je dois mettre mon enfant, ça ce n'est plus. Et parce que pour la plupart aussi, on va dire ok, parce que c'est mon garçon qui vient tout le temps m'accompagner, il va être mon premier suppléant. Et vous prenez une dame qui était là, qui a longtemps travaillé pour le compte du parti politique, on la met comme deuxième suppléant. Tout en sachant que je me mets dans cette position, mais lorsque j'aurai une autre position de nomination, le premier suppléant, là, c'est mon fils, parce que c'est mon argent que j'ai investi. Ça, c'est une très mauvaise affaire, une très mauvaise perception de voir les choses. Il faut vraiment corriger. Nous, ici, c'est un appel que nous sommes en train de lancer aux dirigeants des partis politiques. Bien que les femmes sont moins nombreuses comme dirigeantes des partis politiques, parce que là aussi il y a des problèmes. Vous allez trouver des femmes qui sont là, qui ont des décisions, mais qui n'appliquent pas cette parité-là. Et ça vous pose problème. Donc ici c'est un appel. Vous voulez le développement de la RDC? Recruter les femmes, aligner-les. Et les responsables des ménages, les responsables des familles, encouragez vos filles, encouragez vos jeunes filles, encouragez les jeunes vraiment à embrasser la vie politique, parce que la politique, ce n'est pas pour nuire, c'est pour construire la nation. Et tout le monde doit comprendre ça. Mais c'est un poids. Alors sur le plan juridique, qu'est-ce que vous reprochez aux lois ou au comportement des politiciens? C'est la nature moins contraignante de certaines lois, telles que celle de la parité que nous venons d'évoquer au niveau de la CENI, qui permet, n'est-ce pas, lorsqu'une liste a 50% de femmes, 50% d'hommes, on ne paye pas le frais. Mais ce n'est pas contraignant. Si cette disposition était contraignante, on aurait 50% de femmes, 50% d'hommes sur une liste électorale. Et je le dis toujours que dans cette lutte, ce qui importe dans le travail que nous abattons, c'est le changement de mentalité, en plus de loi. C'est le changement de mentalité. Et ce changement de mentalité est quotidien. Se dire, nous prenons les combats, la lutte telle qu'elle se mène
au niveau de droits de la femme, au niveau de ses desiderata, au niveau de tout le problème qu'elle rencontre, nous les confrontons aux lois qui existent. Et là, particulièrement, avec la donne élection, nous particularisons la démarche. Vous voyez, madame a évoqué les dispositions des articles 12 et 13 de la loi de la CENI, n'est-ce pas? Et nous, nous parlons en plus de l'article 14 de la Constitution et 49 de la Constitution. Ceux qui sont à la maison sont en train d'ouvrir et essayent de voir. C'est là où on trouve de brèches. Et nous aimerions que... Expliquez-nous ça rapidement. Ah ben, lorsqu'on parle de la parité, mais cette parité n'est pas contraignante. Pourtant, c'est une disposition de la Constitution. Et donc, je vous ai dit, l'élégance de la loi, c'est dans sa rigueur. Lorsque cette loi est dépourvue d'une certaine rigueur, la finalité laisse... Il y a pas parce que la loi est dure. Si on la laisse comme ça, on a tendance à ne pas l'appliquer, bien entendu. Mais nous l'avons toujours dit, le fait précède le droit, n'est-ce pas? Tout ce que nous ramassons comme problème, le femme qui passerait à l'Assemblée nationale, les hommes genrés qui passeraient, qui estiment que pour telle démarche, il faut cette complémentarité, vont s'ériger en un groupe pour trouver des solutions et voir. Parce que les élections, il n'y a pas que les élections de 2023. Nous avons des élections qui viendraient. Et il faut un ordre qui ne ferait plus tabula rasa sur ce qui est fait. Mais la continuité permettrait cet équilibre que nous recherchons. Tu peux accepter que je puisse clarifier quelque chose? Oui, allez-y. À l'intention de nos éditeurs et éditrices, parce que quand on dit que la loi n'est pas contraignante, cela veut dire on vous invite tout simplement à aligner les femmes sans dire que la non-réalisation de la parité homme-femme sur les listes électorales entraîne le rejet de la liste. Si on disait ça, mais les partis politiques se mobiliseraient pour chercher les femmes et les aligner. Si ça s'est passé ailleurs... Madame, vous dites quelque chose, chercheraient les femmes. Oui. Donc les femmes ne se donnent pas, il faut les chercher. Bon, ça c'est autre chose, M. Kibambi, je n'ai pas dit ça. Chercher dans le sens qu'ils cherchent les hommes. Monsieur Kibambi, vous n'avez jamais vu des gens qui viennent vous dire « Non, non, est-ce que tu peux entrer dans mon parti politique ?» Ils le font avec les hommes. Pourquoi ils ne peuvent pas le faire avec les femmes? D'accord, attendez. Oui. Mais vous savez, moi je pense, et je le répète toujours, que la Constitution, quand il s'agit respect des élections, tout le monde brandit. Eh, c'est la Constitution, c'est la loi, c'est écrit. Mais quand il s'agit de la parité, qui est constitutionnelle, pourquoi on ne brandit pas? Pourquoi on peut simplement, parce qu'il s'agit des femmes, ne pas respecter la Constitution? Moi, je trouve ça terrible. Dans un pays où, parce qu'on parle des femmes, 53% de la population, on ne peut pas respecter la loi. On ne peut pas respecter les textes. C'est terrible. Et quand vous dites « chercher les femmes », mais bien sûr, c'est les partis qui recrutent. C'est les partis qui ont le modèle des personnes qui veulent dans le parti. C'est pour ça. Vous avez l'impression que si les femmes se présentent, on va les rejeter? Non, vous savez, il y a deux choses. D'abord, au Congo, il y a plus de 900 partis politiques. D'abord, pour savoir lequel vous devez aller, c'est déjà très compliqué. Mais vous devez savoir que dans les pays où les partis ont des visions, des stratégies, ils recrutent. On recrute à partir même des universités. Quand vous voyez tous les grands, là, les Sarkozy et tous ces gens, on les a recrutés à partir de l'université. Les Cohn-Bendit, tous les gens-là, on les a recrutés à partir des universités. Les femmes, quand on a... Oui, quand vous avez besoin, ah oui, quand même. Mais on ne les recrute pas. Quand vous allez dans un parti politique ici pour intégrer, mais et c'est à peine si vous ne devez pas supplier. Ah oui, ça aussi, il faut le dire. Ok, très bien. Madame, vous... Oui, je reviens sur l'article 14 qui se trouve dans notre Constitution. Vous savez, cet article, quand on l'avait amendé pour la première fois, il y a eu des problèmes, on l'a envoyé au niveau de l'institution président pour que la loi puisse être promulguée. Il y avait un problème des quotas qui s'est retrouvé à l'intérieur. L'article, la loi n'a pas été promulguée et a été envoyée au niveau, à l'époque, on parlait encore de la Cour suprême.
nous avons démarché, nous avons fait des activités de plaidoyer pour que la loi soit acceptée. Et n'a jamais été acceptée parce qu'il y avait le mot quota qui était à l'intérieur. On a enlevé le mot quota, on a laissé le mot parité, parce que quota et parité, ça ne dit pas la même chose. On a laissé le mot parité, la loi était de nouveau renvoyée au niveau de la présidence pour être promulguée. Nous avons analysé les lois et on a trouvé des coquilles dans cette loi. Nous sommes allés jusqu'au niveau de la Cour constitutionnelle pour qu'on puisse éclaircir la loi, l'article 14 et l'article 13 de la loi organique, la loi électorale. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais eu de réponse. Pas de suite. Pas de suite. Parce qu'il s'agit des femmes. Depuis 2016. Parce que la loi a été promulguée en 2015. Depuis janvier 2016, on n'oublie pas cette date. Il n'y a pas de suite, simplement parce que c'est une loi qui concerne les femmes. Donc, je pouvais comprendre ça. Moi, je ne m'explique pas. Ah, oui. Je suis bien avec Léonie, je suis bien... Hein, je vous traite bien quand on fait là mes émissions. Vous ne faites pas peur. Mais je remarquerai que c'est la première fois que je suis dans une émission où les femmes sont majoritaires. Hein, ça, je dois le reconnaître. Est-ce que vous voulez que je vous dise bien ou pas? Bon, maître. Nous estimons que ce travail paye. Parce que nous portons au grand jour ce que les autres traitent dans les salons. Tout le monde sait qu'en RDC, la femme a droit à un accès accru à tous les niveaux des institutions. Et ça commence par les élections, je le répète. Et il est de ces partis qui ont déjà compris la démarche, qui aujourd'hui forment de jeunes filles de 18 à 22 ans, les prépare pour la gestion de la chose publique. Mais c'est un combat qui vient de loin. Oui, mon cher, moi je comprends très bien. Hein. Moi je suis genré. Hein. D'accord. Ah oui, absolument, je suis genré. Oui. Non mais, le problème aussi c'est que la femme a beaucoup, a un poids énorme sur ses épaules. Vous savez, elle a un poids énorme sur ses épaules. Celle qui éduque, celle qui... Mais vous savez, M. Kibali. Si elle s'absente de ce sera un vide. Je vous donne un exemple simple. Vous êtes un homme, vous restez chez vous. À peine si on vous demande de surveiller une marmite, on apprendrait qu'elle a brûlé. Mm-hmm. Alors que la femme peut être au téléphone, à la lessive, au vaisselle, et vous revenez le soir, vous trouvez que la situation est maîtrisée dans la maison. Qu'elle était au travail en plus, les enfants en plus. Donc, c'est comme ça que nous disons, la femme est un trou, est un tout, que l'on ne peut pas réduire en un contexte. Voilà sa force. Et lorsque, dans nos calculs, nous voulons faire justement de la masculinité, c'est là où nous échouons. Parce que les ouvertures que nous avons dans la loi permettent à cette femme d'évoluer au même titre que l'homme. Je vous donne raison. Quand la femme n'est pas... Quand maman n'est pas à la maison, papa peut la maison est là, déséquilibrée. La maison est complètement déséquilibrée. Voilà. Mais si elle abandonne ici la maison, le pays sera déséquilibré. C'est comme ça que la lutte doit continuer. Madame Léonie. Je ne sais pas si les femmes qui ont été chefs d'État, premiers ministres, ont abandonné leur maison pour autant. Elles ont continué à éduquer leurs enfants, elles ont continué à encadrer leur mari, elles ont continué à faire tout ce qu'une femme fait. Vous savez, comme on dit toujours, la femme aux mille bras. Si c'est Dieu qui a donné aux femmes des attitudes totalement exceptionnelles, je pense. Parce que parce qu'il paraît que quand l'homme a été endormi... Ouais, c'est ça. Le président lui a dit à la femme des choses que nous ne connaissons pas. Voilà, vous voyez ce que c'est, hein? Donc il y a des secrets qui existent. Il y a des secrets. Et bon, tu vois, mais moi je pense, et c'est reconnu, que dans tous les pays où les femmes sont majoritaires, dans les parlements, dans les gouvernements, le niveau de bien-être dans les communautés est supérieur. Parce que la femme n'a pas la même vision. Regardez, quand il y a eu des femmes, et là je veux dire des femmes venant de la société civile, qui ont eu des postes ministériels. On voit la différence, on voit les lois qui sortent sur la parité, sur les violences sexuelles, sur la protection de l'enfant, sur la protection des handicapés. Ça, ce sont les femmes.
D'accord. Madame Mandilo, c'est un exemple. Quand vous étiez ministre, il y a eu quand même quelque chose. Il y a eu des difficultés quand même. Violence sexuelle, la loi. Oui, je pense qu'on y reviendra après, mais quand j'étais ministre, c'est parce qu'il s'agit de la question électorale. Beaucoup de gens doutaient encore parce qu'on s'est dit, nous les femmes, nous devons nous mobiliser pour que la transition ici puisse réaliser ses objectifs. Mmh. Et la transition, la fin, c'était quoi? La tenue des élections. Mmh. Vous voyez les femmes tout le temps dans la rue au Parlement pour demander à ce qu'il y ait élection. Et c'est pendant cette période, d'ailleurs, qu'on a mis, on a inscrit le principe de parité dans la Constitution. Mmh. Les femmes n'étaient qu'à 8%. Mais elles ont réussi, ces femmes de la société civile, à influencer le Parlement, à aller mener des plaidoyers auprès du président de l'Assemblée nationale et du Sénat pour inscrire la parité auprès du président et tout. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce que les femmes font, ce n'est pas pour leur compte, mais pour l'avenir. Nous, on ne travaille pas. Pays. Léonie et là ne travaillent pas pour elles-mêmes. Faïda, ni de Maître Alain, nous travaillons pour l'avenir du pays. Nous travaillons pour le changement. Parce que, en tout cas, plus vous aurez beaucoup de femmes, alors des femmes qui comprennent qu'il faut absolument travailler pour les autres, plus nous serons tous compétents. Oui, mais la difficulté, elle est là, madame. C'est que, vous venez de le dire, des femmes qui seraient à leur place. Parce que généralement, on met des fleurs. Alors, des fleurs, des soies. Ah, Kibambi. Vraiment, nous sommes vers la fin de l'émission. C'est vous qui nous dirigez. Mais nous, les femmes, nous ne sommes pas des fleurs. Non. Nous voulons contribuer au développement de ces pays. S'il y a une femme, si elle est là, l'exception, ça ne peut pas faire la règle. Mais s'il y a une femme qui a été une fleur dans ses fonctions, bon, c'est pas à nous, mais nous condamnons. Mais nous voulons que les femmes, là où elles sont, là où elles travaillent, qu'elles montrent l'exemple. Et ça encouragerait l'ensemble de notre population à soutenir les candidatures féminines. Maître, il ne reste plus que quelques minutes. Alors, au niveau de la loi, mais c'est vrai aussi qu'il y a des femmes, certaines sont des fleurs. Hein. En plus du fait qu'elles soient fleurs, se maquillent pour être belles, elles ont de qualités intrinsèques. Mm-hmm. Nous les avons évoquées ici, et d'ailleurs, les exemples pleuvent aujourd'hui. Qui est notre ministre d'État et ministre de la Justice? Elle est l'émanation de quelle société civile? Et bien d'autres. D'ailleurs, la présidente de VLF fut ministre. VLF, ça veut dire? Voix et leadership de femmes, ce groupe de plaidoyer de 9 femmes. En journalisme, on ne donne pas les indications, il faut les expliquer. Et un homme, 9 femmes et un homme. La présidente, ce fut la ministre des droits humains. Vous vous rendez compte? Et ici, sur ce plateau, vous avez l'excellence Mwangilwa qui a été aux affaires avec la section genre. Vous vous rendez compte? Donc, c'est une expertise qui a la récolte de toutes les données du passé qui entravaient justement l'évolution de la femme. Votre question tombe à point nommé parce que là, vous allez vous rendre compte que nous voulons ce changement pour le présent et pour l'avenir. Déjà l'émancipation, la femme l'a eue. Nous passons par la parité aujourd'hui. La parité ne veut pas dire qu'il faut prendre n'importe qui. Même cette loi qui organise cette matière vise un certain nombre de gens, une certaine catégorie. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on doit nécessairement être DG là où on veut d'une DG. Et il n'y a pas de discrimination à ce niveau. C'est dans l'exécution de cette loi que ces brèches doivent être fermées. Oui, maître, on donne une minute à chaque femme pour conclure. Le mot de la fin, madame Annie. Le mot de la fin, c'est de demander aux femmes et aux jeunes filles de pouvoir se présenter au niveau provincial et local, parce que c'est la base. Quand nous aurons
plusieurs femmes au niveau de la base, eh bien, le développement de ce pays va commencer. Ben oui, Madame Candelon. Moi, je dirais aux parents d'abord, vous envoyez vos filles à l'école, dans les grandes universités, encouragez-les à travailler pour ce pays. Encouragez-les à se présenter. Les jeunes filles, les jeunes garçons aussi, bien sûr. Mais vous envoyez vos filles pour qu'elles deviennent quoi si vous ne voulez pas que les lois soient appliquées? Les lois, quand vous voyez les lois, vous pensez à votre femme, pensez à votre fille. Moi, quand je vois des lois, je pense à mes filles, je pense à mes nièces, je pense à aux jeunes. Parce que les gens ne se rendent pas compte l'importance de gérer, par exemple, une commune. Une commune, c'est un ETD. C'est comme si tu gères un petit pays. Et chez nous, les communes ont du nombre d'habitants incroyable. Il y a des communes de 1 million d'habitants. C'est comme si vous gérez tout le Gabon. D'accord. Madame Mandiba. Merci beaucoup. Un seul mot adressé au chef des partis et regroupements politiques. Si au dépôt des candidatures aux élections législatives, vous n'aviez pas aligné beaucoup de femmes à plus de 50%, s'il vous plaît, nous avons le dépôt des candidatures aux élections municipales et locales. Ne ratez pas cette opportunité, parce que si vous ratez cette opportunité, vous risquez d'échouer. Les femmes ne vous voteront pas, ne voteront pas les gens de vos partis politiques. Alors, profitez, alignez assez, beaucoup plus de femmes, des jeunes pour le changement dans ce pays. Et c'est cela la voix de la femme, la voix et leadership de la femme dans notre pays. Mandiloa. Ouais. Madame Mandiloa, pardon. Oui, une seconde. Mm-hmm. Femme. Fille, battez-vous pour vos intérêts. Surtout cultivez des valeurs pour que l'homme voie en vous ce dont le pays a besoin pour son développement. Je vous remercie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, en laissant parler les femmes, en laissant parler l'avocat qui accompagne ces femmes sur le plan des lois, on apprend beaucoup de choses. C'est vrai que si, quand une femme n'est pas à la maison est déséquilibrée. Et donc, plus il y aura des femmes au Parlement, peut-être le Parlement ne pourra se porter que bien. Vous avez un dernier mot? Oui, j'ai un dernier mot. Je dois dire quand même que la voix du leadership des femmes est un groupe de plaidoyer qui est financé par Affaires mondiales du Canada et mise en œuvre par le Centre Carter. Je pense que c'est important qu'on le dise parce que ça veut dire que on voit la capacité des femmes et qu'on a senti qu'elles ont besoin d'un accompagnement. Cette émission vous a plu parce que ce ne sera pas la dernière? Ben non, mais avec vous, les émissions nous plaisent toujours. Madame Anguiloa. Oh, je reviendrai à tout moment. Sans faute, je serai là. Maître. Je n'ai pas de choix. Merci mesdames, merci mesdemoiselles, mais vous qui êtes à la maison, je vous remercie d'avoir suivi ce numéro. Ce ne sera pas le seul. Elles reviendront, nous en reparlerons parce que c'est important cette lutte et moi j'y adhère complètement et j'ai raison parce que quand maman n'était pas à la maison, papa pouvait être là, je n'étais pas à l'aise. Merci, au revoir.